je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia, Esprit Saint, envoie du haut du ciel. Dans sa lettre encyclique Laudato Si, le pape François invite l'humanité entière à une écologie intégrale. Dans ce temps de l'Avent, les trois figures qui nous sont proposées pour préparer la venue du Seigneur, à savoir Jean-Baptiste, Marie et Joseph, nous aident d'une certaine façon à cultiver cette écologie intégrale qui se décline sur trois axes, écologie environnementale, écologie sociale, écologie éthique. Thank you.
J'ai comme Jean-Baptiste pour une écologie intégrale. Jean-Baptiste est un homme atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il vit au désert, il a un look étrange, il est vêtu de poils de chameau, il concocte des mets qui sont sûrs de ne jamais avoir la moindre étoile au concours Top Chef. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Cependant, il a une très belle prédication et de nombreuses foules viennent à lui. Il dit lui-même qu'il est là pour préparer la venue du Messie. Cela justifie son détachement vis-à-vis du confort envoûtant du monde pour se rapprocher de la nature. Jean-Baptiste reste un homme proche de la nature et nous pouvons le retenir. Vivre une meilleure et une plus grande proximité avec la terre nous dispose à accueillir le Seigneur qui vient et dont chaque élément de la nature porte l'empreinte. Jean-Baptiste nous inspire une écologie environnementale. Le chemin du Seigneur.
M comme Marie pour une écologie intégrale. Grâce à l'ange Gabriel, Marie apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte. Elle doit avoir besoin d'aide, se dit Marie. Alors, elle parcourt des kilomètres pour porter assistance à sa cousine. Les deux sont enceintes, l'une du précurseur, l'autre du sauveur. Mais il n'y a entre ces deux mères aucune jalousie, aucune rivalité, bien au contraire. Il y a une célébration mutuelle dans une atmosphère joviale et fraternelle, ressentie même par les deux bébés. Vivre dans une réelle fraternité et solidarité humaine et le transmettre à ses enfants et petits-enfants aide à faire des cœurs des hommes transformés par l'amour des demeures propices au Sauveur. Marie nous inspire une écologie sociale. Sois joyeuse. Il est venu dans ma maison, m'a salué à sa façon, m'a dit Marie, Marie, comblée de grâce, je suis l'ange du Seigneur, je suis l'ange du Seigneur. Impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il est venu dans ma maison, m'a troublé dans son ton, m'a dit Marie, Marie, sois sans crainte. Sur toi, l'Esprit Saint viendra sur toi. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il est venu dans ma maison. Il est venu dans ma maison. Thank you.
J comme Joseph, pour une écologie intégrale. Joseph apprend que sa fiancée Marie est enceinte alors qu'ils n'ont jamais eu de commerce charnel. Il a certainement mal. Il est aussi troublé, il ne comprend pas. Et pourtant, il ne laisse pas parler sa colère. Car s'il le fait, il va la dénoncer et elle sera humiliée, lapidée pour le fait de porter une grossesse dont son fiancé n'est pas à l'auteur. Et puis, il pense à l'enfant. Il n'y est pour rien, ce petit bout de chou. Il doit rester en vie. Joseph veut alors se séparer de Marie, mais secrètement. Et Dieu lui révèle son projet. Joseph accepte de protéger la mère et l'enfant. Avant même ce songe, Joseph a fait le choix de la vie pour Marie et pour son enfant. Défendre, protéger, promouvoir la vie depuis ses commencements jusqu'à son terme, tourne nos consciences et nos esprits vers Jésus, le prince de la vie qui vient nous donner la vie de Dieu. Joseph nous inspire une écologie éthique. Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.